es hat sich herausgestellt, dass wenn man die Parameter der sozioökonomischen Grundvoraussetzungen anlegt, die Kinder mit Migrationshintergrund ungefähr gleich abschneiden wie Kinder, die einfach nur in Anführungszeichen sozial schwach sind. Das deutsche Ausbildungssystem ist vielleicht etwas pragmatischer als das französische und es hat deswegen nach dem Schock der ersten PISA-Studie es geschafft, einige Ungleichheiten auszugleichen und hat deswegen heute möglicherweise bessere Leistungen als das französische. Les enfants issus des immigrations, y compris les immigrations africaines, ne réussissent pas plus mal que les enfants non issus de l'immigration des mêmes milieux sociaux. Et tous ces enfants-là, effectivement, ont des problèmes à l'école. Disons qu'ils sont environ 40% à réussir le bac ou à atteindre un niveau bac. Sie leisten in den üblichen Kernfächern, also Mathematik, Sprache, Naturwissenschaften, stehen sie hinter ihren nicht gewanderten Klassenkameradinnen und Klassenkameraden zurück. Malgré tout, on voit que plus finement, il y a quelques courants migratoires qui font exception à cette règle générale. Les jeunes d'origine marocaine ou tunisienne, ou bien les jeunes d'origine africaine subsahélienne, ont tendance à avoir des parcours scolaires un peu plus favorables. In Deutschland hat sich die Situation minimal verbessert, wenn man die PISA-Daten zugrunde legt. Also es gibt einen kleinen Zuwachs mit Bezug auf die Lesekompetenz. Et alors les filles, il y a une espèce de tendance ethno-genrée, c'est-à-dire le sexe joue en même temps que l'origine. Les filles d'origine marocaine et tunisienne et africaine, subsaharienne, ainsi que les gens du sud-est asiatique ont des parcours scolaires nettement plus favorables que leurs camarades. On observe que l'école française est une, finalement, des plus inégalitaires du monde développé, de l'OCDE, en ce qui concerne les résultats des élèves en fonction de leur statut socio-économique. Beim Übergang in den Beruf kann man in den deutschen Daten etwas feststellen, was wir aktive Diskriminierung nennen. Also auch dann, wenn Kinder mit Jugendliche mit Migrationshintergrund hohe Leistungen erbringen, eigentlich ausgezeichnet Deutsch sprechen und so weiter und so weiter, haben sie sehr viel schlechtere Chancen, in eine Berufsausbildung einzumünden. Das heißt, da sind Mechanismen im Gange, die kann die Schule nicht wegarbeiten. Da kann die Schule die Kinder so gut machen, wie es irgend geht. Diese Mechanismen sind trotzdem wirksam. Ja, dans les villes françaises, une importante tendance à la ségrégation sociale et ethnique. On a ce phénomène des écoles ghetto et qui regroupe finalement des élèves mal dotés scolairement et socialement. Es gibt für Schulen, die einen hohen Anteil von armen Kindern haben und Migrantenkindern haben, zusätzliche Lehrerstunden. Es gibt eine zusätzliche Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer, die Deutsch als Zweitsprache in den Schulen nicht nur unterrichten, sondern auch ihre Kollegen dazu anleiten. In France, au milieu des années 80, on a à ce moment-là arrêté de considérer les élèves enfants d'immigrés comme des élèves particuliers à besoins particuliers auxquels il aurait fallu apporter éventuellement un soutien supplémentaire ou certaines formes de reconnaissance culturelle. De sorte que, on peut dire, il n'y a aucune politique scolaire visant l'intégration des élèves immigrés dès lors qu'ils parlent le français. Selbstverständlich ist Sprache, der Zugang zum Deutschen wirklich ein Schlüssel zur Integration. Ich kann ohne Zugang zum Deutschen an der Öffentlichkeit nicht teilhaben. Le fait de parler une autre langue ou de mélanger une autre langue avec le français lorsqu'on est en famille n'impacte pas de façon négative le parcours scolaire. Par contre, c'est très mal vu par les enseignants. Des enseignants, surtout dans le primaire, conseillent aux parents, même si eux-mêmes, ces parents, ne parlent pas très bien le français, de parler le français à leur enfant. Die Sprachen der Familien haben anderen kommunikativen Wert.
Sie haben ihren Wert für das persönliche Leben, für das Wohlbefinden, aber sie haben auch einen ökonomischen Wert. Und wir halten es für eine große Verschwendung, dass nicht öffentlich in diese Sprachen auch investiert wird. Il y a toute une formation à faire des enseignants français pour leur faire acquérir ce que les linguistes savent, à savoir que le plurilinguisme est un atout. Im Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich würde ich mich immer darüber freuen, wenn wir in Deutschland ein Schulsystem hätten, das nicht so früh die Kinder auseinanderdividiert. In Deutschland sind sie nur 4 Jahre zusammen. Ein besseres System wäre sicher das System, in dem Kinder länger gemeinsam lernen. Lorsqu'on compare d'un point de vue international les parcours scolaires des élèves, on s'aperçoit que des systèmes à filières ne sont pas intrinsèquement des systèmes qui produisent beaucoup d'inégalités. Par exemple, on a non seulement le système allemand qui produit quand même pas mal d'inégalités, mais le système hollandais qui est également un système à filières précoces et qui produit assez peu d'inégalités comparativement à d'autres à l'échelle mondiale. Wir haben ja ein Halbtagsschulsystem. Wenn man die Zeit anders nutzen würde, die für den ganzen Tag zur Verfügung steht, dann hätten die Kinder einen anderen Lernrhythmus. C'est vrai que la tradition allemande peut être sélective socialement. C'est-à-dire que des enfants qui apprennent plus lentement peut-être que d'autres vont être pénalisés par ce genre d'organisation de la journée. Die ganze Grundidee eines öffentlich finanzierten Schulwesens, historisch und aktuell, ist, dass Kinder unabhängig werden von ihrer Herkunft. Denn die Herkunft ist zufällig, kein Kind sucht sich seine Herkunft aus. Das heißt, man müsste in ein öffentliches Bildungssystem, nicht das private, in ein öffentliches Bildungssystem so hineinsteuern, dass diese Unabhängigkeit hergestellt wird. Und dazu gehört auch, die Kinder unabhängig zu machen davon, ob ihre Eltern imstande sind, mit ihnen Hausaufgaben zu machen oder nicht. Lorsqu'on parle donc de l'immigration qui posait problème ou que l'on voit comme problématique, celle qui vient des pays tiers et en particulier qui sont musulmans, assez souvent il y a une représentation fréquente qui voudrait que les parents finalement soient désinvestis de l'école et ne s'en occupent pas. Wir haben in Deutschland keine gute Tradition der Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus. Hier in Deutschland ist eigentlich das Verhältnis zwischen Eltern und Schule sehr hierarchisch. Also die Schule bestellt die Eltern ein und sagt, dein Kind taugt nichts oder dein Kind war gestern gut. En réalité, toutes les enquêtes montrent le contraire. Les parents de ces milieux-là sont extrêmement soucieux de voir leurs enfants réussir à l'école. Ils font des efforts qui sont proportionnellement plus intenses que d'autres parents lorsqu'on les compare à leurs ressources financières familiales. La culture des élèves n'est pas prise en compte dans l'école française. En principe même, je dirais qu'une majorité d'enseignants, je pense, mobilisera à ce moment-là la question de la laïcité. Meines Erachtens gehören religiöse Angelegenheiten nicht in die Schule. Die Frage des Kopftuchs in Frankreich wird auf eine sehr merkwürdige Weise diskutiert. Ich kann sie nicht nachvollziehen. Man würde ja Menschen auch nicht verbieten, eine andere spezielle Kleidung zu tragen. La laïcité n'interdit pas le port d'un signe religieux aux élèves. Elle l'interdit aux professeurs. Ils sont tenus à une stricte neutralité, étant des agents publics. Et ça a été la position du Conseil d'État, longuement argumentée à partir de 1989. Personnellement, je trouve cette position très intéressante. Et il me semble qu'elle ouvre des possibilités riches à l'intérieur des espaces scolaires, à l'intérieur des classes, pour les professeurs qui souhaiteraient travailler avec leurs élèves sur les identités collectives qui sont les leurs et finalement apprendre aux élèves le respect mutuel, le respect des différences et la vie dans une société brassée par les différences.